Bonjour à toutes et à tous, même il est les têtes. On se retrouve pour un nouvel épisode d'un nouveau jeu, un nouveau let's play, Sonic 4, épisode 2. Ouais, parce que nous avons fait le 1 précédemment, et je le remplace évidemment, franchement ça se sentait, et puis en plus je l'ai dit la dernière fois. Je commence donc l'aventure sur le deuxième épisode. Et voici donc le premier, et comme pour le 1, non. Déjà, on fait pas retour en arrière, on fait start. Comme pour le 1, j'ai débloqué des niveaux, mais nous allons tout recommencer effectivement du début. Par contre, je sais pas quel est le. Attendez. C'est le premier monde, ça, on est d'accord. Normalement, c'est le premier monde. Donc, début de l'épisode. Alors, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Hein. Déjà, on a Tails qui est avec nous. Et puis, je sais pas si c'est moi, mais le jeu a l'air bien plus beau graphiquement. Enfin, après, c'est mon avis personnel, mais déjà que le Sonic épisode 1 était déjà assez beau. Là, on se trouve quand même avec un Sonic qui, en plus d'avoir des beaux graphismes, se voit attribuer des phases de gameplay assez intéressantes. Enfin, vous verrez au fur et à mesure que je commente et que je joue. Enfin, pour vous dire, j'ai jamais vu dans un Sonic Tails être aussi utile. Enfin, je veux dire, Tails dans ce jeu est super utile. J'appuie sur la touche adéquate quand je suis dans les airs et boum, je peux voler. Bon, déjà, ça c'est sympa. Même très sympa. Puis vous allez voir, c'est pas tout ce qu'on peut faire avec lui. Merde. Alors déjà, on peut faire ça. Mais aussi ce qu'on peut faire. Bon, là j'ai un peu loupé, mais je vais vous montrer. Je vais réussir à vous le montrer. Hop, dès que je fais ça au sol, on roule les boulets comme des malades. Et ça s'arrête seulement quand je le désire. Donc déjà, rien que ça, c'est des phases de gameplay assez bien ficelées, comme on pourrait dire. What? Ah oui, d'accord. Et c'est parti pour aller de l'avant. Oh, ce troll. Mais de toute façon, j'ai déjà eu des modes de ce monde-là. C'est pas grave. Sauvegarde en cours. Level 2. Non, je disais level 2. Voilà. Allez hop. Ah, par contre aussi, c'est le premier monde, ça se passe aussi dans l'eau. Ça peut être gênant. Mais non, je crève pas. Je comprends pas, il y a des fois je peux monter, il y a des fois je peux pas. Dans l'eau, ça a l'air d'être infini. Ouais, donc ça va assez vite, mine de rien, même si c'est dans l'eau. Comme pour Sonic épisode 1, enfin Sonic 4 épisode 1, le personnage de base a pas l'air très rapide. Enfin, je veux dire, il est un peu lent sur les bords. Passe-moi une bulle. Oh, Tails, t'as pas le droit. Ah, par contre, Tails, je savais pas qu'il pouvait prendre nos bulles. Enfin, je me souvenais plus. Plutôt.
C'est parti. Ça fonce bien ce truc. Par contre ça sert à rien ici. Je suis pas d'accord là. Bon bah d'accord. Ok. Pourquoi pas? Tant qu'on est hors de l'eau. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord. En fait, il faut que je maintienne la touche de direction, enfin la touche directionnelle vers le haut, pour qu'il puisse nager vers le haut. Ça, je le savais pas. What? Je sais pas ce qui s'est passé là, mon personnage a été bloqué. Ah oui, d'accord. Donc ça reste plutôt cheaté quand même. Gueule. Alors là, on n'a pas eu l'état spécial parce que tout simplement on a eu l'émeraude déjà. Une vie en plus. Ça fait plaisir. Mais à chaque fois je me trompe de touche. Voilà, acte 3. Et les boss aussi sont pas mal comment dire, différents, même très différents de ce Sonic là. Vous verrez de quoi je parle. Je me souvenais pas que ce niveau était comme ça. En tout cas, c'est bien joli. Et on roule. Ah ouais, bah à mon avis je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Hop. Hop 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 hop. On va de l'avant. Bah de toute évidence ça sert à rien de faire ça. Voilà, on fait ça ici comme ça. On change la plateforme. Oh oh, le scombo. Ah, est-ce qu'on a bien fait les choses? Pour le moment on dirait. Oh, stylé! Et on monte! C'est parti pour tout défoncer! Bim! Bim! D'où tu t'arrêtes? Hop, encore plus vite. Yeah. Oh, pas très vite sous l'eau. Par contre, l'animation de Sonic qui prend les bulles d'eau est un peu plus rapide, j'ai l'impression. Bon, ça, ça va pas nous emmerder. Bim! Oula, attention. Faut pas tomber ici.
Ouf, on tombe pas. Mais de toute façon, il y aurait eu des pancartes rouges comme quoi on aurait pu tomber. Ah, étape spéciale. Et une vie en plus. Donc les étapes spéciales, bah ça ressemble à ça. Bah, donc c'est déjà un peu moins classique et c'est un peu... ça ressemble un peu plus... Oula, par contre ça c'est pas très bien ce que je viens de faire là. Oula, il m'a l'air compliqué celui-là. À mon avis, ouais non, on a perdu. Bah c'est comme ça. Ah, on aurait pu avoir l'émeraude rouge. Ah, c'est dommage. On peut avoir plusieurs émeraudes dans un même monde. C'est chelou. Ah, ou alors chaque état spécial sont communs, même si c'est... Ah, ça a l'air bien. Donc on va se faire le boss. Et comme je vous l'ai demandé, enfin comme je vous l'ai dit, les boss sont pas pareils. Par contre la musique, elle, ouais, je pense qu'elle est pareille. La musique là. Les boss c'est autre chose. Ouais, à mon avis, c'est 50 rings. Ouais. Ouais, donc voilà. Alors au début, ce boss, je savais pas comment l'affronter. Mais je me faisais même pas mal shooter au niveau des vies. Mais en fait, il suffit de céder de Tails. Des fois, quand il descend comme ça, il suffit de céder donc de Tails pour voler, pour aller assez haut. Et ensuite, pour pouvoir bah, le toucher. Et là, par exemple, je l'ai pas eu. Et là, je sais pas ce que je fous. Voilà, comme ça. Moi, je me trompe un peu dans les touches, c'est normal. Oula, il s'énerve déjà. Ok, bon bah ça se passe bien pour le moment. Ah, il s'énerve. Et là, ça va faire pas mal mal. J'ai réussi à l'avoir. Laser suivant. À l'enfure. Allez tiens, prends ça. Et tu es fini.
Ouais, donc les boss quand on connaît pas quand même, c'est assez compliqué. Mais ce genre de, c'est ce genre de boss là. Ça nous fait utiliser les quelques formes de gameplay avec Tails. Et c'est plutôt, enfin non, c'est même très intéressant. Donc c'est vraiment des boss très différents de ceux qu'on a combattu dans Sonic épisode 1, qui sont plutôt faciles. Mais là, il y a de l'imagination. Après, je dis pas que dans le premier Sonic, il n'y a pas trop d'imagination au niveau des boss, mais c'est quand même assez simple. Même si j'ai bien aimé le premier épisode de Sonic 1. Enfin, épisode 1. Donc, cet épisode sur ce Let's Play. Enfin, ce premier épisode sur ce Let's Play de Sonic 4, épisode 2, est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire votre avis. Je tâcherai de vous répondre. N'hésitez pas également à pousser et à partager, voilà, autour de vous ce que vous venez de visionner. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mes minous. Yeah.